trouve la corruption, hein, donc c'est enraciné dans tout le domaine. Donc on voit l'éducation, on voit même au niveau de la justice, la corruption passe. On est à Balio Otoyebi déjà que Ezala non propre. Même si moi salité comme au côté, mais Ezala non propre. Prenons les ronds-points. On est obligé à pouvoir charger Nayo. Voilà, merci de nous recevoir chez vous, chers téléspectateurs de la radio, télévision La Voix de l'Aigle. Une fois de plus, merci pour votre fidélité et confiance que vous ne cessez de renouveler à votre émission Deba RTVA, votre émission de chaque lundi, mercredi. Nous voilà encore pour un nouveau numéro dont nous avons toujours eu l'habitude de parler des sociales, du peuple congolais, de parler autour de beaucoup de sujets, en tout cas qui nous intéressent. Alors, Deba RTVA n'est pas seulement ici sur plateau, mais aussi dans vos maisons, parce qu'on échange ensemble avec vous, on échange ensemble avec les invités. Alors, vous êtes toujours le bienvenu et puis vous êtes toujours là pour nous écrire au travers les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Alors, posez toutes sortes de questions. Alors, vous aurez la réponse, bien sûr. Voilà. Nouveau numéro, on dit grand merci à vous, chers téléspectateurs, et puis bonsoir partout où vous nous suivez déjà. Totombe Libino Mokolo et Lamo, et puis bon début de la semaine. Bisika Nyonso, vous allez Golanda Bisso, de partout et de partout où vous allez. En tout cas, Totombe Libino Mokolo et Lamo, semaine et Lamo, Poso et Lamo. Et puis nous sommes ensemble avec vous, de Bayer TVA, de Baranako Solola, Namaye, au Italie, Mbokana Bisso, Namaye, Italie, Social Nabisso, Naba, sujet belé. Oui, il y a un sujet à réflexion. Oui, il y a un sujet ici. Et puis, il y a un invité ébélé dans le plateau. Oui, pour y a un réfléchir ensemble. Alors, tu peux si bien, merci. Bisika, Bozali, Kolanda Bisso. Alors, nos reboots ne changent pas. Comme d'habitude, nous allons parler de l'actualité du pays parce que l'actualité oblige. Et puis, nous allons réfléchir ensemble autour d'une thématique très importante. Il s'agit de l'éducation financière. Comment gérer ce revenu? Alors, on va découvrir ensemble avec un invité de taille qui est déjà sur ce plateau. Alors, je vous prie déjà, parce qu'il y aura vraiment à boire et à manger au cours de cette émission partout où vous nous suivez déjà. Alors, concernant l'actualité du pays, retenez-les que la dépouille de Patrice Emery Lumumba vient d'arriver à Kinshasa et elle a été reçue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'aéroport international de Djili. Avec l'arrivée de cette dépouille, la RDC entre dans 3 jours de deuil national. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a indiqué que plusieurs manifestations d'hommage seront organisées à l'honneur du tout premier ministre congolais. Donc voilà, à dater d'aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi. Alors il y a deuil national en mémoire du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, le tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. Alors, c'est vraiment une date inoubliable. Aujourd'hui, on peut parler de la date de naissance de Patrice Emery Lumumba. On peut parler aussi de date du décès. On va aussi parler des dates des hommages publics. Parce que, voilà, Patrice Emery Lumumba est revenu. Nous sommes de Bantou. Il y a la dent de Patrice Emery Lumumba. Oui, comme Libisso. Alors, étant que Bantou, Karaline, ou Yapambawana, ils allaient déjà qu'on représentait Moutou Mobimba. 61 ans après, 61 ans, il y a assassinat après 61 ans. Nzoto, il y a Patrice Emery Lumumba et Zongeli Bisso, na ville province, il y a Kinshasa après périple Moulayou et Salemi, par-ci par-là. Maintenant là, on reçoit le corps, la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba. C'est une dent, mais c'est symbolique, c'est significatif parce que nous sommes Bantou. Alors, Kakalinu Yapamba, Suki Yapamba, il a déjà qu'on représentait Moutou Mobimba. Donc voilà, il mérite les hommages dignes de son nom parce qu'il a vraiment combattu pour le Congo et puis à Koufi pour Namboka. Hommage à Malamu, tout est PSMLI déjà dans l'aéroport et à Djili. La na chaîne nationale Bouébaki na Koulanda yango, comment avion est atterri, comment le chef de l'État Yemo Gazala qui na équipe na Yemo Bimba
Aïba qui n'a pas payé ça, Aïba hommage et puis direction Palais de la Nation et puis bah manifestation est belle hein, autour il y a pour rendre hommage na héros national et que Salema na Mboka na biso et puis le 30 juin en tout cas que ça la paix activité sous monene et marquer les sous sous indépendance, il y a ville, province, indépendance, il y a République démocratique du Congo, voulais-je dire. Alors, c'est vraiment un événement, voilà pourquoi on commence. Donc, l'actualité oblige, on a parlé de cela. Et nous allons passer à autre chose. Étant congolais, voilà, c'est notre héros national. Malgré que d'autres personnes disent, ah, Kakalino, Kakalino, oui, là-dedans, là-dedans, là, Ezaya Patrice Emery Lumumba étant Bantu, ils allaient représenter Yemo Bimba. Voilà. C'était ça l'actualité du pays. On va passer directement à la thématique du jour. Partout où vous nous suivez déjà, comme je vous avais annoncé, thématique du jour, allez-le, Tokolobela Nini, Tokolobela Oetali, éducation financière, le Lengue Nini, Tokoki, ko géré, Miso, Lonabiso, Toba, Reveni, Nabiso. Reveni, Zanini, Zali, Oyonion, Sozoaka, Namosala, Tona Passion. Na mosala moko quelqu'un ko salaka misolo zwaka wana en retour alors oui ko gérer mon ndenge nini zana bato belé azala ki directeur na entreprise moko ya monene azala ki peut-être ko travailler na entreprise moko pe ya monene mais na ère ya passion à se retrouver azana lokoté mais comment à gérer ba revenir na ye cela pose aussi problème. Nous sommes jeunes, on travaille, on reçoit quand même le peu, mais tout dépensera vraiment de manière moko excessif, donc tu es baraté, tu as pu gérer, bah mis solo, tu vas revenir tout ça dans moi à mon kendengenini. Aux hommes on a que mon dazo dépenser, bon et belé na méga ou ils ont coûté à des fois peut-être chaque jour à dépenser à 2000 francs, mais na un mois à redépenser combien, à zo zo combien et puis à venir tout bah ambition à quoi, qu'au canisse un mot toi à quoi réaliser un mot. Journée de paix avec combien? Donc avec Nyon Soana et Tokoyeba na Kolobele yango lelo. Voilà pourquoi ce sujet vraiment est intéressant pour vous yom tozo la nangai. Si vous avez dans les calices à kozapé, tcha télécommande pemeni parce que sujet où ezali ko intéressé na yom tozo sala na yom tozo sala te. Alors ezali maye vraiment ezali intéressant. Ou essayer que il faut yeba yango, il faut mettre yango en pratique, il faut batangi sa yango o yeba. Alors, dans le cadre, il y a émission de bas RTVA, mais tout le monde est là. Vous avez une question, n'hésitez pas, comme vous avez déjà un numéro s'afficher au bas de vos écrans, vous avez un numéro en direct. Et puis, vous avez même na page Facebook, donc vous occupez. Pour comme la biso message ko tika message de Bayer TVA officiel donc ko tika le biso message ko tiki mituna na yo nyonso e ko yeba na kotangama et puis to ko yeba pe na kotuna invité a ko yeba na ko répondre. Alors on reçoit dans ce sur ce plateau monsieur Junior Lubaki, azali fondateur ya fondation coaching Polé, coaching Polé. En tout cas, oui, je suis un ami invité, moi s'est présenté parce que la présentation que vous allez entendre, je suis présenté avec les détails possibles. Ndeko Junior, Mbotenayo. Mboten Ndeko Johnny. Malgré que Nassine a présenté, mais nous avons appelé Yo Moko, vous s'est présenté dans les détails non sont possibles pour que Ndeko Bazolanda va comprendre aux allées. Ok, merci pour l'invitation. Junior Lubaki, Mzembani. Je suis congolais et fondateur, il y a programme, pas fondation, oh, voilà. programme de okay. coaching pour les. Ils allient programme au congolais, au SLMI, on a coaching de Kabato, na leadership, na finance personnelle, n'était malélo, et puis dans leur développement ou leur épanouissement personnel. Voilà, le bi malamu, libuyan le baki omoro nous la présentation moko ya malamu. Vous allez fondateur, il y a programme coaching Polé, mais avant toko ta peut-être na thématique to na mayemu susu programme coaching Polé. Eza nini mission na ngweza nini et puis comme vous a fondateur, idée nini le kila ki na mutu pour mettre en place programme et merci Ndeko Johnny pour la moto na, c'est vraiment important. Programme et tiamaki to et kanisamaki lolinga komona makambo kokende na mboka na biso parce que je suis congolais, je suis né ici. J'ai vu comment est-ce que le certains sujets qui déjà dans d'autres pays et yebana déjà moi mingi net makamba misolo otozo bela lelo na bamboka mosusu
bato ba salé la rango déjà ba livre ba formation ba séminaire ba émission donc na bambo comme ce sous ba sujet mususu est important oui kumbaka pe kita ekolo et yebana déjà mais Nathalie namboka langai na moni yango zokine na mo malembe ça c'est mon ba sujet mon tabou tabou donc le belango même mes amours passé et d'où tozo mona pe ke mboka pe zo landa vraiment te comme bambo comme mususu. Alors, les canis matin, la moto n'a pas la nuitée, tout ça programme on a Nambo Cannabiso pour la aider Bandeko Congolais au Bazo Landabiso et puis Bandeko Africain au Bako Landabiso plus tard, peut-être dans Facebook ou ailleurs. Ok, et puis et ça, ça date de longtemps depuis 2018. Depuis 2018, oui. Alors, activité n'est ni ni mousala dans le programme coaching pour qu'on a sunga bande qu'on a des molobi que ça le programme voyez qu'on a sunga parce que maïbozo le bela déjà n'a pas mis qu'il est sous le bela rayamo mais puis nos actions ni ni mousala pour qu'on a sunga bah imbok. Ok, bah action mingi tout ça là qu'a déjà la conférence. Oui, oui. Je crois que toujours qui moi coco se moquait tant au Covid et qui parce que on a beaucoup appelé ça qui va rassemblement d'abord au fanda qui m'a moqué pour qu'on a tous à mibeko. Mais le Namonis connaît ma cambo pour le moment mouké. Donc, tout ça, déjà la conférence. Donc, tout ça, la conférence. Tout ça, la peu émission radio, télé, ndé, bon, mon ébissoir. Tout le carapé, naba, ma chaîne Moussousou. Ce qui va bien ici, bisso. Et puis, tout ça, la rapé, naba, église Moussousou. Pessa la rapisso, appel. Pour n'a pas passé message tout ça, l'ango. Et, ben, école aussi. Nous avons des contacts. Nous avons une école ici, par exemple, à Pigeon. Une très bonne école. Je vais pas citer les noms. Mais, ben, on peut passer à qui appelle Nabisso. To même la banne parce que Ndeko Johnny te remarqué que non seulement Mikolo bazan a moi retard à Makambo mais pour le Pesengele qui est à niveau à banne parce que une bonne éducation peut bandaka à niveau assez pour moi attend à zama moqué pour ébissier que moi n'a soki aux une bonne colère à nous sauter à bani non j'en a c'est tant à zoko là voilà tu as tout compris tant à coco la paix comme mokolo et vous en a facilité mingi tant au moto à coquin de conférence ma bengi si une conférence à Paul à Rosana facilita pour comprendre pourquoi parce qu'à Bandaki n'ont jamais assez donc pour les paysans pour les écoles mais aussi pour les entreprises pour les ans pour ça net boy moi ma formation à la carrosie moi bah Jean Nayo aux ans pour ça bah yéko la moi mingi sur ma rambab objectif sur l'image de soi sur ma rambébélé pour les paysans on a pour nako pour accompagner le voilà. Changement. Voilà. Ok, donc pour les alliés, pour accompagner le changement, c'est-à-dire dans l'école, dans l'église, vous allez toujours voilà, solliciter pour quand même mes mamans savoir, vous allez partager un peu dans l'imboka. L'autre chose, c'est l'éducation financière. Je vous souviens de vous, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que azotu na wane zakuri ya siku imani na université na école na humanité tonini limbola na éducation financière. Éducation financière ezali neski ba ko kipe ko pesa mtu éducation na mambi matali moso. Oui ndeko merci. Éducation financière ezakuri asikate mais ali lolenge ya kokanisa on appelle ça nous on appelle on appelle ça une éducation non conventionnelle. L'éducation conventionnelle ils a auto école la classe mathématiques géo physique chimie en biologie on les a éducation conventionnelle ou yebani aux ana programme il y a éducation nationale mais makambo tozo le belalelo ils a éducation non conventionnelle c'est-à-dire les éducations ils a libanda ba terre on a que la cité alors l'éducation financière ah donc attends mon dossier ici bah université c'est que bah biloko y a éducation financière tozo le bela awa ils ont un coco sur pas quand on a classe. Baza et Bélé, bah, comment, bah, tout n'a pas mis tout n'a pas réagir. C'est moi-même, j'ai fait l'université. On m'a jamais parlé de ça. Exactement. L'université, tout un peu, bah, le Bélé. Voilà. Donc, voilà pourquoi tu as bien une éducation non conventionnelle. Maintenant, quand nous parlons d'éducation financière, qu'est-ce que tu as dit, Koloba? Katina, tu as dit, Koloba était. Et ça, la Makambo Mingi, il y a beaucoup de choses dans la vie qui demandent à ce que quelqu'un soit éduqué. Pour que cette personne ait une certaine intelligence par rapport à cette éducation-là. Dans le Bibo et dans l'Ingala, c'est que, et ça, c'est que, je suis en vie, je suis en vie, je prends un exemple. Aujourd'hui, dans la vie, nous avons des personnes qui sont calées, par exemple, dans la chimie, calées dans la politique, calées dans le sport. Mais ils sont ignorants, par exemple, en ce qui concerne la nutrition. Ils sont très intelligents par rapport au sport, par exemple. Ils sont très intelligents par rapport à la musique, très intelligents par rapport à la politique. Mais
au mambio etali nutrition à éviter. Donc ça veut dire qu'une personne comme ça, elle est intelligente. Politiquement, elle est intelligente, mais sur le plan nutrition, elle est illettrée. Alors, éducation financière, ce que les animes. Toye ko la kisabato, lo lengeni ni makamba mo solo etamboulaka. Pote na makamba mo solo pe, ba yzala na moi lo lengi ya kokanto to bengi intelligence. Donc, l'intelligence va découler de l'éducation qu'ils vont recevoir tantôt ici et maintenant. Avant, car on a éducation financière, voilà, bon, ils ont quand même un concept, ils ont dit, malam, mingi, mais est-ce que Namambu Yamo Solo, ou Banzi vraiment que, parce que déjà, dans le mois, on a dit, les lots, on a dit, cannabis au Kinshasa, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, 500 francs, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a 300. Est-ce que vous pensez vraiment que Sengi ba pesa mutu mate ya na mambi ou etali mbongo parce que généralement tu es bar mbongo ba la ki sarabi sauté. Est-ce que ça vraiment important mouta eba na mambi ou etali mbongo? Oui, une des causes très importantes. Oui, na ba conférence, na biso to sa la tolo ba intervention, na biso to sa la sur le plan financier, tolo ba ramingi. To beta rama solo mwa mingi, mais ah alors beta juste le solo moke. C'est une chaîne chrétienne, donc les gens qui nous suivent, forcément, ils doivent connaître cette histoire. Pour la plupart, sont chrétiens. Alors, il y a une histoire dans la Bible où il y a eu un prophète qui était mort à un moment. Je crois qu'il était dans l'école de prophète d'Élysée, prophète Élysée. Mais à un moment, les gens qui ont emprunté ou prêté l'argent à cet homme sont venus chercher les enfants de cet homme pour les emmener comme esclaves. Ouais. OK? Balobi était maman, tu es qu'aux abats, n'a pas mobile, n'a pas un yongo. Et ils ont pratiquement un dos salé comme mingi kala. Ceux qui ont un nyongo, parce qu'ils ont même balancé parce que c'est sa maman mosala, donc on l'a esclave. Ok? Maman lobi, t'es à que comme mona nzambe, le babingi le prophète Élisée, on a rebissé t'es mosali nzambe, on a banné kobanga nzambe, mais à coup fait atiki nyongo na sima. Les solo na tango na tanga kango bali boso et donc ça veut dire que quelqu'un qui craignait Dieu, moi la moi ça lobby ton serviteur mon mari craignait l'Éternel, donc azaki moto na kobanga nzambe makasi yango na lobby susu na côté kobanga nzambe côté pastoral côté makamba moli mozali makasi mais na ebité mais na ndimi samike côté a mosolo ayikola kimingite. Voilà pourquoi il est mort. Il est mort endetté et sa famille a eu de sérieux problèmes. Et cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui le vivent. Papa a zo ki nyongo kuna na banque, a ko ko zo ngusate mama na mwana atikali, a moni ba ba botele bango nda ku banque ezio lobi, papa na mina foti nyongo te. Il y a tellement des histoires comme ça. Je vais prendre un autre exemple ici de Kojoni. Vous savez, il y a un grand leader que nous apprécions énormément, un grand prophète qu'on appelle Moïse, qui était vraiment un grand prophète dans l'Ancien Testament. Mais à un moment moko boye de ko Moïse azay ki kale makamba ko tambu sa peuple, kale na ko ka nzambe, kale na makamba bele. Mais à un moment le peuple venait vers lui pour recevoir des instructions, pour qu'il juge des choses. Et il y avait des moments où le peuple pouvait venir du matin au soir. Et Moïse était en train de passer son temps à les juger, même de petites choses. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est fatigué vite. Il fallait que quelqu'un, au-delà de Maloba, il fallait que quelqu'un a la leadership et Zaganine. À côté, ça y est, Namoto, comment est-ce qu'on peut être un bon leader? Voilà pourquoi son beau-père, Jétro, est venu à Ibisi Albindeko. Si on continue, tu vas mourir vite. Répartis des gens capables, que tu connais capables, qui vont faire le travail ensemble avec toi. Donc tu prends un groupe de dizaines, de cinquantaines, de centaines, de milliers. Comme ça, Igoko, Makambo Moussoua, Mikie, au lieu que Yo Gérakango, Tika Bango va gérer. Makambo Mine, Nendeba Matisse, Lakayo, pour Yo gérer. Et ça, et Souma qui Moïse Makaj, ça veut dire que Kolosimba Mbongo, Koye, Bakayo, ils ont 100 fois, ils ont bien. Mais ceux qui ont la crise, ils ont été en train de faire un peu de temps. Voilà pourquoi, en tout cas, na, bah, exemple, au PC, na moni vraiment que Koyekola, Koyekola, en tout cas, ils allaient éducation financière, ils allaient vraiment dans mon tuyau à Makasi. Pourquoi? Parce que ils allaient à des fois de Simarambon, on mettait aux eaux gaspillées en haut d'une manière moins excessive et puis ils se retrouvaient dans zéro. Voilà. Directement, tu as un sujet éducation financière, tu as vu comment gérer ce revenu, mais tout le monde a d'abord un revenu.
ba revenu ezali nini soki toko kolimbola revenu ezali nini muto azolanda biso a monika katokomi éducation financière comment gérer ses revenus revenu ezali nini avant permettez-moi s'il te plaît avant na komana motuna ya revenu parce que c'est bête là, c'était l'or, moi, c'est très important. Okay. Hein, parce que l'éducation financière, ça tourne autour de l'argent. Voilà. Okay? Je prends une émission dans les cas qu'on a radio la fois passée, dans le bar, on a bête là, quand on c'était. Et c'est une abysson, nan, toyeba, ce qui m'a solué, au-delà du fait qu'ils aient papier ou tout, simbaka, oui, permettez, abysson, tout son belo. Et c'est une abysson, toyeba, était m'a solo en soi, l'argent en soi, c'est un instrument. Ok? L'argent, c'est un outil qui peut nous permettre soit de faire du mal, soit de faire du bien. Okay. L'argent en soi est neutre. Si Ndeko Johnny, c'est un bon monsieur, si l'argent est entre ses mains, il va faire de bonnes choses. Ce qui Ndeko Johnny a Zamutumabe, l'argent entre ses mains, ça va faire de mauvaises choses. Donc, il a la notion de Mokona nous importante. Ou essayer l'angana bête la cité avant de répondre à mon tour de Ndeko Johnny. Donc, l'argent est un instrument neutre. Bandegoison d'Abisso. L'argent, c'est un instrument neutre. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est la personne qui le possède. Il y a une sémence de l'orgueil en toi, mais qui sera amplifiée quand l'argent viendra. Okay. Notre Dieu, l'or et l'argent l'appartient. Okay. Quelqu'un comme Job que tu connais dans la Bible, c'est le fond. Mais tu sais que cet homme-là, c'était un grand. Aujourd'hui, on ne va pas parler de lui. Mais c'était un grand businessman qui avait engagé des individus qui travaillaient pour lui. Mais c'était quelqu'un de humble. Okay? Donc, ça veut dire que quand tu as une sémence d'orgueil en toi, l'argent, c'est que l'argent va faire. Va venir juste amplifier cette sémence-là. Voilà. Mais si tu es quelqu'un de bon de cœur, quand l'argent viendra, il va amplifier cette bonté que tu as dedans de toi. Ok, alors un autre élément aussi que je vais fixer avant de répondre à ta question une fois de plus, c'est que je l'ai dit la fois passée, je vais le redire encore. Nous sommes dans un monde d'argent parce que papa Johnny, Tondeko Johnny, on a remarqué qu'au milieu surtout des chrétiens, quand on parle de l'argent, certaines personnes commencent déjà à tourner la tête. Ah bon, mamie bazou le bela, quand on veut parler de l'argent, les gens commencent à bouder, ils commencent à respecter. Mais moi, je veux vous dire, si vous me suivez, je veux vous dire que nous sommes dans un monde d'argent. Pourquoi je suis en train de vous le confirmer? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, Ndeko Johnny, pour avoir ce que tu veux avoir en termes d'habillement, en termes de nourriture, en termes de déplacement, en termes de logement, il te faut donner en retour de l'argent. Exactement. Si tu ne donnes pas de l'argent, ça veut dire que si toi qui nous regardes, tu as une voiture et que tu vas dans une station, tu dis je vais avoir du carburant, la première question que le pompiste va te demander c'est monsieur, il y a combien? Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Les micros que nous utilisons ici dans le studio, ils ont ça la question et comme la bande de Kobazo dans Dabiso, c'est juste pour confirmer cette vérité, oui, ça l'a créé Bato Mingi. Ce que va dire maman Mosolo. Désormais, écoutez, quand on parle de l'argent, écoutez, prenez ce qui est bon et mettez à côté ce qui n'est pas bon. D'accord? Voilà. Alors, le revenu. Le revenu, c'est tout ce qui peut entrer par rapport à un service rendu. Quand je parle de tout ce qui peut entrer, je parle ici de finances, donc Mosolo. Oui, Koti, par rapport, il y a Makambo et Sali. Soit tu as vendu quelque chose, soit tu as travaillé, soit tu as fait un service et on t'a payé après. Et c'est ce que nous appelons le revenu. Alors, j'ai parlé une fois de plus avec Ndeko Johnny, je lui ai dit que l'éducation financière, c'est quelque chose de très, très, très grand. Mais on va essayer de dire l'essentiel ce soir. Alors, par rapport au revenu, qu'est-ce que je peux dire par rapport au revenu? Le revenu de Gojoni, je vais le catégoriser en trois. Ok, le Misato. Selon ce que j'ai reçu comme coaching, je dirais moi-même aussi. Alors, Yaliboso, nous allons appeler le revenu ordinaire. Topé revenu gagné. Ordinaire, topé revenu gagné.
Revenu gagné, tout peut revenir ordinaire, et Zanine Deko. Revenu gagné, tout revenu ordinaire, et Zali, le quoi salaire. Tu as travaillé aujourd'hui, on est le 20e, le 27. Donc, Kobanda, le premier Banda Kokende Mosala, si tu as commis le 27, tu n'es pas le loboué, banque et l'obissio, que non, Batindelio, 100 $, 300 000, 3000 dollars, il y a salaire na yo, oh, yo gagné la fin du mois. On a tout un revenu ordinaire. Revenu ordinaire. Toléki. Yami Balé, tu as revenu de portefeuille. Revenu à portefeuille, Isanini. Revenu à portefeuille, ils allaient revenir où ils ont où ta simanayo kosala moi commerce du genre nazuba micro oyo nasombiango na Dubaï nasombi micro moko 10 dollars na yenango na yena 10 micro na yenango na mboka Congo na lui ok na micro moko nasombi 10 dollars mais po naza na sala ka ba faire na ngai na te micro moko 20 dollars par exemple. Quand je veux vendre le micro à 20 dollars, une fois Ndeko Johnny à Sombi, il achète par exemple un micro, je récupère mon 10 dollars qui était de l'investissement, mais le 10 dollars de plus, on appelle ça revenu mais de portefeuille. C'est-à-dire ils ont revenu on a vu si ma côté que loco on a Sombi na moi talo moqué na baki si mon marge du colon na teki mbongo wana to bien un revenu de portefeuille. On les a différents, on a un bon mot, on a il y a salaire. Chaque na fin du mois. Voilà. Mm. Donc, au travail qui lundi, tu okay. Les premiers, pardon, tu les lots. Voilà. Donc, il faut que tu aies un revenu ordinaire, tu peux gagner, tu peux salaire. Na yo. Mais ce que je dis, maman, à cause de ma ndunda, na kimwenza, par exemple. Te ki ba mama, te ki mon picou, ba te ki souri na combien, je ne sais pas. A zui nan mon picou, ba te ki la ki 200 francs, a ba ki 6 mois, 100 francs, niko komi 300 francs. Tant que te ki langai, toi te ki ndeko Johnny, revenu wana zui, to bin yon revenu de portefeuille, a bénéfice wana. To le ki na misato, to bin yon go, maintenant revenu passif. C'est quoi un revenu passif? Le revenu passif, c'est le revenu que tu obtiens après avoir fait quelque chose. Mais l'argent commence à suivre bien plus tard. Bien plus tard, excusez-moi. Comment ça? Je vais y arriver. Supposons que le studio ici, c'est la maison que j'ai construite. J'ai pris l'argent, j'ai investi, on a construit la maison pendant un bout de temps. Disons 3 semaines. J'ai investi 4000 dollars pour qu'on puisse faire tout ça. Quand j'ai fini la construction, j'ai dit, ok, Ndeko Johnny, j'ai mis mon studio en location. Voilà. C'est-à-dire, na konanga na tonga ki na bimisa ki mbongo liboso, mais si koyo, na remisa son monte po estili. Mais na yango, na tse siko moto a loué, chaque fin du mois, apé sakanga, 150 dollars. 150 dollars wana, c'est un revenu passif. Ok. Si je me fais comprendre. On a toujours compris, madame. Na, Mathis, sous un exemple. J'ai beaucoup apprécié, j'ai vu le pasteur Baruti a sorti un livre, n'est-ce pas? Oui. Ok. Il a écrit, il a dépensé de l'énergie, il a dépensé tout ce qu'il fallait pour écrire le livre. Il a dépensé ce qu'il fallait pour éditer le livre. Abimisiango, bah, papier belé. Tant ou à Sali Bongosi, n'est-ce pas? À jusqu'au livre, on a été en vente. Voilà. Donc, à recommencer le livre, on me souhaite. Quand le livre on a, la plateforme, nous c'était Karaba Livre. Tant que tu vas voir qu'au Somba, c'est pas qu'il va commencer à écrire tout le temps que les gens vont acheter. Non, il a déjà acheté. Et les gens vont commencer. Voilà, il a déjà écrit, pardon, merci. Les gens vont juste commencer à venir acheter. Et c'est tout. Cet argent-là, ce sont des revenus passifs. Ok. Qu'est-ce que je vais dire encore ici? Tu crées une chaîne YouTube aujourd'hui parce que c'est dans le monde dans lequel on est. Tu crées une chaîne YouTube ou TikTok et tu as mis des éléments. À un moment, ta chaîne est tellement connue. Et comment foutre? Ah, photo de sa publicité dans la carte. C'est la même chaîne que tu as toujours utilisée. Mais seulement, c'est en train de monter. Et quand les gens vont commencer à venir mettre leur publicité dedans, c'est toujours la même chaîne. Tu ne vas pas créer une autre chaîne, c'est toujours la même chaîne. Mais bon, on appelle ça revenu
passif. Donc si on peut comprendre le revenu passif, le revenu où ils ont quota, au salaire qui déjà est fort liboso, il y a un mot là n'a pas assis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends les malades. Moi, j'ai le droit à un souba zoa à créer immeuble né à mon nati appartement, bah tu vas comme louer. Bon, ils ont quota raga. Donc il y a vendu naé, il y a un quota beaucoup de sambon. Donc voilà, on a vraiment compris. Et merci puis beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore suite, il y a bah, revenu M. Sous. Non, non, il n'y a que le 3 là. Ok, d'accord. En tout cas, voilà, je pense que Olimboli Malam ou Ezali va revenu. Je rappelle Nabande Koubazoula Nabisso, en tout cas, tout le bela. Éducation financière, comment gérer ce revenu? Tout un coach conférencier, fondateur, il y a programme coaching polé. Vous allez pour le bela Mambi ou Etali Moussou. Alors, si vous en avez une question, comment a déjà, pour tant que tourne, on a le temps à un message sur le commun en retard et vous pouvez ça moi passer. Voilà, on a parlé de revenus et puis tout le bela, c'est gestion. Gestion, il y a ma revenu parce qu'il y a moins d'un découte tout. Mon boko, il y a thématique, l'émission à l'élo, ça vraiment maman à l'icambo. Mais non, bah revenu, ils ont soin, ils ont la passif, ils ont la portefeuille, ils ont la ordinaire. Tant au monte à Zui, en haut, à quoi qui s'y gérer en haut, d'engueni. Ok, par rapport à cette question, je dirais que je vais donner, je dirais une règle entre guillemets ici, qu'on appelle la règle de 50. La règle de 30 et la règle de 20. Donc, si j'avais mon tableau, j'allais écrire, mais malheureusement, je n'ai pas mon tableau avec moi. Mais 50, 30, et puis je peux quand même écrire. Exactement. D'accord, merci. Donc, pour bien faire comprendre nos amis qui nous suivent, donc, on va appeler ça la règle de 50. 50, la règle de 30 et la règle de 20. Ok. Ça fait quelque chose comme ça. Donc, il y a 50, il y a 30, et puis il y a 20. Oui, oui. Pourquoi j'ai mis 50, j'ai mis 30, j'ai mis 20? Je vais y aller. Cette règle qui a été découverte par une dame aussi, qui n'a ma question qu'à modèle à Boué, comment on peut faire pour que nous puissions bien aider les gens à gérer leurs finances? Alors, à créer qui règle haut, il y a 50, 30 ans, et puis 20. 50, les animes. Le 50%, c'est pour ses besoins. Ce besoin. Ce besoin. Alors, maintenant, je vais poser la question. Un besoin, c'est quoi? Un besoin, c'est... Et là, quand on se dit ça, que si tu as un angoté, tu peux s'aller tu peux mourir. C'est-à-dire, c'est indispensable. Tout ce qu'on appelle besoin, c'est tout ce qui est indispensable. Donc on a commis à la papier dans le but 50% c'est pour le besoin. Ok. Alors to bandi kota ngasiko oni to bengi besoin parmi le besoin de Kojoni, tout ça a besoin to benga ramingi fondamentaux pardon oza ke troui koleka ngote. Tu peux en citer? Oui, oui, exactement. Dans la vie d'un homme, manger c'est un besoin, boire c'est un besoin, c'est loger, c'est un besoin, c'est déplacer ou le transport, c'est un besoin, la santé, c'est un besoin, quoi d'autre je vais dire ici? La scolarité. La scolarité aussi c'est un besoin, quoi d'autre? Selon échelle il y a Maslow, déjà on a besoin énuméré, je pense déjà que c'est ça, donc éducation, santé, logement, transport, manger, boire, voilà. Maman on a l'oubli boué, une déco a créé qui règle l'oubli, on a 50% à moto, et c'est une naïa zwa, 100% est revenu à moto, toi as une à côté, toi as une à nini, et c'est qu'il y a Zalana Likanisi, il y a 50% de Yango et qui n'a pas besoin. Parce que le besoin est local, ce que ça Yango est au couffle. Tout ce qui n'a pas exemple pratique, tout ce qui soit 100 dollars. Je suis en train d'aller. Est-ce que tu veux me laisser aller? Parce que tu es vraiment dans la pratique. Exactement. Voilà pourquoi j'ai essayé de faire quelque chose de pratique. Il dit dans le 30% qui vont venir après, ce sont les envies. Les envies. Les envies, ce sont des désirs. Mais sans ça, tu peux vivre. Un besoin. Un besoin, si tu ne le fais pas, tu meurs. Mais un désir ou une envie, que tu le fasses ou non, tu vas vivre. Naoki pour ça, restaurant, mourir, fongoli, côté Nabiso.
C'est une envie. C'est pas un besoin. D'accord? Maintenant, dans le besoin, on peut commencer à citer. Dans le désir, pardon, ou les envies. Au bac, ça, par exemple, le costume. Aux alentours des GBL, le mot basé sur ça. Namoni, sur moi, c'est que Bimina Somba, c'est une envie. Namoni, restaurant, Bimina Kenalia. Voilà, là, qu'il y a un site touristique. Tu peux aller dans un site touristique pour te détendre, mais si tu n'y vas pas, tu ne vas pas mourir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un besoin. Si tu ne vas pas manger dans un restaurant au coin, au Fongoli, si tu as au lieu de Koufate, parce que tu as déjà mangé à la maison, tu peux manger à la maison. D'accord? Et toutes sortes d'envies. Que tu peux imaginer. Donc il faut savoir que ça boit. Là, ça j'ai un téléphone. Tout ça, ce sont des envies. Changer marque, comme ça, téléphone. Voilà. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, il dit maintenant, dans le VAT, qui vont rester, nous allons maintenant l'épargne, nous avons maintenant le projet d'avenir. Dans le 20% qui va rester. Ok. Il y a un mot, on a été à 20%, on a été épargne. Après, on appelle un CIMA investissement. Mais on a préféré un CIMA épargne. Donc ça veut dire, pour une personne qui aujourd'hui gagne 100 dollars, d'accord, Tolobi, il y a 100 dollars, naïe, Azana, 50% 100 dollars, on a 50 dollars, on n'a pas besoin, naïe. On n'a pas besoin. Oui. Santé, éducation, voilà, éducation, logement, logement et tout. 50%. Maintenant, la question que j'aimerais poser ici, Ndeko Johnny, c'est que parmi ce besoin que nous venons de citer, ils en ont besoin, mon c'est le logement, la maison. Ici, comme ta femme dit. Plus de 30% y a bon gagnera chaque fin du mois. Ok. Donc, tout le monde gagnera 100 dollars, mais il y a 150 dollars. Il y a 550 dollars. Ou il y a 100 même, ou même il y a 50 dollars. Ils ont déjà un risque. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la maison, il y a autre chose. Il y a l'énergie qu'il faut payer. Il y a à manger. Il y a se vêtir, comme on a dit. Voilà. Parce que tu ne vas pas te promener nu. Mais il y a le déplacement qu'on appelle le transport. Mais au-delà de ça, tu dois aussi mettre quelque chose à côté qu'on a appelé épargne. Voilà. Alors, Ndeko, si déjà tu es en train de travailler quelque part et ton loyer t'en vers 50%, Bandeko, Batangi Minimarama Mosolo, Liboso Nabiso, Babi Oza en danger. Parce que tant qu'on ressent ça va dépenses supplémentaires, Oza a besoin de Nayo, tout outil déjà presque plafond. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, il m'a dit que c'est un problème. Donc, normalement, ce qui est qui essayé à zoa loyer, il faut qu'ils en assez à 50%. Le 50% bon à zoa. Voilà pourquoi, et ça, la Kamoto et Amingin de Kojoni, quand quelqu'un gagne, commence à gagner de l'argent, qu'il puisse avoir ce genre de notions. Et qu'on a déjà qu'on fixe, je vais prendre un exemple, tu viens de trouver un nouveau travail, on te paye 500 dollars. À peine tu viens. Tu veux prendre une maison, par exemple, pour ceux qui sont à Kinshasa, à ma campagne. Je prends un exemple comme ça. Et tu sais que la maison de ma campagne coûte pas moins de 300 dollars. Mais toi, tu viens à peine de commencer une découverte au Bandamo, ça là, quand même, tu as 500 dollars. Tu payes déjà un loyer de 300 dollars. Tu as un problème. Tu payes un loyer qui est au-delà même de 50% de ce que toi, tu gagnes. Tu as un problème. Et la règle te dit, tu dois commencer à bouger entre le besoin que tu as, entre les envies ou les désirs et l'épargne. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas. Je disais ici pour les enfants, je suis tellement excité à enseigner les enfants que tu ne peux pas dépenser tout ce que tu gagnes. Ok. Ceux qui m'appellent Pessio, à ta papa, Pessio, bon, j'ai eu un débat. Bon, pas un débat. Un moment d'échange avec les enfants d'un ami. Merci, Bango, les amis. Même si papa te donne 1000 francs. Fais tout pour ne pas manger les 1000 francs. Mange même 900 francs. Laisse les 100 francs. Pourquoi? Parce que l'homme doit comprendre déjà que tu ne peux pas manger tout ce que tu gagnes. Sinon, tu vas t'enfoncer de plus en plus dans la pauvreté. Okay. Quand nous parlons, par exemple, de pauvres, de la catégorie des pauvres, je ne sais pas si tu vas te souvenir, il y a une catégorie que nous appelons de pauvres chroniques. Les pauvres chroniques, ce sont des personnes qui dépensent
tout ce qu'il gagne et voire même plus. Ce qu'on va foutre avec 500 dollars pour votre chronique. Donc ça veut dire que Orobando Bengalaba demande Ngolingi. Tu vas faire de retraite et de retraite avant de chasser des démons. Mais quand tu manges tout ce que tu gagnes et voire même plus, tu vas demeurer pauvre. Donc, on est allé à Montoise, on aura 100 dollars, ma dépense. 150 dollars. Et combien t'as ça, 50 dollars? Et c'est chaque mois comme ça. Donc, si tu trouves un mois pour chaque mois, on a vos défis en Sangapo à combler vide. On attend, on va foutre à combler vide. On n'a pas de côté, on va. Exactement. À foutre dans Nyongo. Et puis, à Zongi Sous, on a même. Donc, à tourner à Rome. Voilà. Ça, c'est juste dans les catégories de personnes que nous avons. Voilà. Mais revenons un peu dans notre modèle de gestion ou dans notre règle de la gestion. Maintenant, dans le 50%, quelqu'un qui gagne 500 dollars, tu ne peux pas gagner, payer un loyer de 300 dollars. Essaye de descendre encore. Si possible, cherche un bon quartier où tu peux payer dans un premier temps. Tu peux payer un montant qui est en deçà de 50%, entre 35 et 35%. Okay. Comme ça, ça va t'aider quand tu vas commencer à payer ce qui est à côté, c'est-à-dire l'énergie, le transport, la santé, à manger, à boire, que tu aies déjà quelque chose qui va te permettre d'épargner et tu pourras maintenant gérer. On va arriver dans le deuxième point qui est les envies. Ok? Je prends les envies. Ben, de Gbazo, on a aussi, ils n'ont pas bien compris, ils posent des questions. Mais tout n'est ça déjà. Dans les envies, on lit 30%. Donc, pour celui qui a 100 dollars de salaire, 30% c'est 30 dollars, n'est-ce pas? 30 dollars. Dans le 30 dollars, on te dit, bon, dans le 30 dollars, tu peux voir qu'est-ce que tu peux remplir comme envie ou comme désir. C'est à toi de voir. On ne dit pas que tu es obligé. Ça, j'aimerais souligner. On ne te dit pas que tu es obligé de remplir absolument les 30% dans tes désirs. On te donne juste un modèle pour te permettre de réfléchir. Par exemple, tu n'as pas besoin de t'acheter tout le temps de nouvelles vestes. Okay. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin tout le temps d'aller manger dans le restaurant du coin. Tu peux faire ça un mois, mais pas tout le mois. Tu peux t'acheter une veste aujourd'hui, mais pas toujours. Ce sont des désirs, ce sont des envies. Parce que si tu ne les accomplis pas, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Et dans les envies, tu vas voir qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux mettre à côté. Okay. Pour mes finances à moi. Parce que ici, dans la finance, il y a eu Zolanabiso. Finance Nangate. Finance Nayo. Ça veut dire que tu dois apprendre à maîtriser tes finances. Et pour toi, tu dois voir, est-ce que dans les envies, n'a pas pensé Matara Matanga, n'a qu'une déplace boue, n'a zong saboué. Est-ce que ce n'a que les lotes place ouana? Est-ce que non koufa? Si tu réponds que non, d'accord. Donc ça veut dire que cet argent peut t'aider maintenant dans la troisième phase qui est l'épargne dans le dernier 20%. Ok. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Merci. Donc, dans le 30% d'éco, et si que ça a envie, au cours de vivre dans un restaurant raté, tu n'es pas obligé de vivre dans le restaurant. Non. Tu veux manger une fois au restaurant et après, tu peux faire autre chose avec. Et c'est ici qu'on va vraiment bouger. Et tu n'es pas aussi obligé à recevoir un téléphone, marque, et tu n'es pas obligé. Et ici, j'aimerais dire quelque chose que je suis en train d'écrire pour les enfants, mais je veux dire ça aussi aux adultes, c'est que tu ne peux pas évaluer, tu ne peux pas t'évaluer par rapport à la nouvelle voiture du monde ou le nouveau téléphone du monde. Ou le... Non, tu ne peux pas t'évaluer par rapport à ça. Ta valeur est beaucoup plus que ça. Ça, c'est pour... Les gens disent que pour bailler, quand même, dans un bon, il faut dans la mode. Ceux qui téléphone iPhone, il y a Soukébimi, mon nom appelle à Simia, on a ma boue. Ça prouve que, quand même, j'ai de la fortune. Ce que temps où ceux qui ont un téléphone, c'est tout le monde dira, c'est un bon côté. Voilà pourquoi, Nazoloba, tu sais, j'ai une image que j'ai beaucoup appréciée de Sadio Mané. Je crois que tu connais, c'est un grand joueur, un footballeur africain que j'apprécie énormément. Il est du Sénégal. C'est notre frère du Sénégal. Un jour, on a trouvé son téléphone qui avait un peu de traces sur le display. Voilà, on a vu ça. C'est exemple, ça circulait dans les réseaux sociaux. Voilà. On lui a posé la question. Papa, mais qu'est-ce qu'il y a?
Maintenant, Motuna Oyoana, Oyendekwa Lobiwana, supposons que c'est un auditeur, s'il y a un téléspectateur qui nous suit, toi qui as à peine $500, tu veux avoir le nouveau iPhone 12. Mais celui qui a 200 000, $300 000 de salaire chaque fin du mois, il s'est dit, il va acheter ça plus tard. En terminant, ben, il est bon, tout n'a pas qu'on répondre. Hein. Voilà, bon, c'est un qui n'est plus moins rapide. Parce que, bah, ah, d'accord, le temps. Ok. Le dernier point, ok, c'est l'épargne. Le dernier 20% dans le 100%. Donc, ça veut dire pour quelqu'un qui a $100 de salaire, au moins $20. Des fois, bon, bah. Atarapembe. Le $20 qui serviront pour l'épargne, on pourra ajouter ici, dans le bac, on pourra ajouter ici l'investissement. L'investissement, c'est le moyen de multiplier son argent. Mais comme tout le monde n'est pas appelé à être investisseur, tu peux juste le garder dans un compte épargne, par exemple. Pourquoi je dis ça? Parce que, je répète encore la phrase que j'ai donnée avant, c'est que tu ne peux pas manger tout ce que tu gagnes. Non. Nos ancêtres, à l'époque, quand ils faisaient le champ, quand ils récoltaient le maïs ou le haricot, même s'ils récoltaient 100 sacs d'haricots, ils gardaient toujours soit 10, soit 5 sacs pour s'aimer la saison prochaine. Okay. Ça, c'est la sagesse. J'aime bien le proverbe qui dit « Préférez mes instructions à l'argent. » Bwanya eza motuya makasi. Bako on a besoin d'attendre classe de pour makambwana. C'est de la sagesse pratique. Ils avaient compris que quand tu sèmes, tu récoltes, il te faut garder une petite partie pour demain. Alors voilà pourquoi je parle de l'épargne. L'épargne, c'est pour demain. Parce qu'on ne vit pas seulement aujourd'hui. Okay. On vit aussi pour demain. Demain, quelque chose peut se présenter. Quelque chose, un projet peut venir demain. Une opportunité d'affaires peut venir demain. Et quand tu as quelque chose dans le dans l'épargne, ça peut t'aider à faire ce que tu veux faire, mais demain. Voilà ce que je peux dire dans le compte de la règle de 50, le 30 et de 20. C'est une règle vraiment basique, mais qui peut aider énormément de gens par rapport à la gestion financière. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Navanza, Ezali. Bah, règlement que ce que tu mettre moi en pratique et qu'on propulser biso voilà donc il y a des musiques et vraiment bah conseil beaucoup de gens se retrouvent en ça hein, tant qu'à avoir un salaire moko et ali peut-être on a plus exemple 50 mais à Zoluenda où il y a $100 et $70 et avant d'entendre un message tout mec appelle un coup bête à nawe tali ma dette dans ma dépense est-ce que yango peso kota tout sera bon, on appelle un déco Oyo et puis on va poser des questions. Allô, bonjour. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, déco regarde encore sur ma biseau. Voilà, tout cela dans un déco bien qui biseau appelle comme on a dit. Oui, la dingue la commune à Lemba, juste la super. Bon, mon nom c'est monsieur Lufungu Lagino. Tout cela dans un voilà, donc j'allais juste vous encourager par rapport à l'émission. Donc, c'est très important. Moi, la libino pour la plus première fois. Et dans un qui se dit, la zone des appels à la télévision, dans la monnaie, le monsieur, le bas qui dit que je le connaissais auparavant. Donc, il m'a intéressé au canier à zone au bas, la monoko. Alors, Koyoka, quand je vais expliquer, façon d'aller à épargner, donc de 50, 30 et puis 20. Souvent, la plupart des gens revenaient à Mouki, mais tu l'utiliseras plus. Alors, mais comment la façon d'aller et à expliquer, vraiment, ça m'a fortifié. Alors, j'aimerais souhaiter que, bah, l'émission, il y a Boyé. Bon, à la fin, la RTVA, c'est beau bien. Mais il y aura des personnes qui ont quand on a dans la RTVA. Donc, ceux qui ont une possibilité, tout moyen, ils allient. Donc les kawana, ça pourra aussi aider tant de personnes. Donc voilà un peu la chanson. Merci beaucoup,
Ndeko, en tout cas, merci. Ndeko Lobi qui a sépeli vraiment mille émissions. Merci beaucoup. Voilà, merci. En tout cas, on ne saura pas prendre les appels parce que nous sommes en train de nous faire. Mais si vous avez un message, juste de retourner invité. Alors, j'aimerais que Natangi message m'en réponde. Natangi message m'en réponde parce que déjà un message est belé. Surtout depuis que nous appelons un appel à Wayekokate parce que nous sommes vraiment en train de nous faire. Bonsoir, frère. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris pour le 50%. Ok. Merci. Limbo la 50% rapidement et puis toquer la question. Ok, Ndeko, 50% à l'obaki, Eza, on a pas besoin na yo. Comment je vais dire, mon tapo, ou le grand montant ou la grande portion de ce que tu gagnes doit aller dans tes besoins. Et n'a pas besoin de qu'on a lobby, Eza, et si qu'on a là, logement, qu'on lia na yo, qu'on mela na yo, transport na yo, santé na yo, pe, éducation na yo. On a vraiment besoin des bases au Motasengeli à Yeba. Nayango na lobi pour na logement, topesi kanwa kolala et Sengeli na yote au leka plus de 35% il y a mbongo oyozwa ka chaque fin du mois. Soko zwa ka $100 par exemple ou $100 oui et Sengeli na yote au futanda ko par exemple il y a $40 ou il y a $50. Ozok mata déjà likolo makasi. Autant ko bakisa mai courant ko tambola nyoso. Vous risquez $100 et les calicolos. Voilà pourquoi j'ai parlé de 30 à 35% pour la mbongo yakoufou tanandako. Bonjour, Débat RTV. Ou même en dessa. Eza maman Anina, c'est Pili Maka, c'est une émission. Merci, maman. Mais tout n'a invité. Abe Tikara, les soulas, bato, bafouta maka chaque fin du mois. Et bongo biso bato, oyote te kaka. Ba bénéfice wana tozwaka. Par exemple, ba 20 000, ba 10 000. To gérer yango ndenge nini abi betika ka lisolo ya ba to bazozo ba fin na fin di mois bon ba to bazo teka bazo ka ba revenu na bango au quotidien donc okay. Ateki azu bénéfice ateki le bazu bénéfice bango ba gérer ndenge nini. Oui, na banda ki maman Annie, merci maman Annie hein, merci oui, beaucoup maman. Pour la question parce que je parlais de différents revenus ah on a loba ki ma portefeuille revenu à portefeuille neti boy maman azoteka. Moi je suis aussi un homme d'affaires. OK. Quand je fais mes ventes, maman Azouan Abisso, quand je fais mes ventes, j'enlève le capital, n'est-ce pas? Ce qui est en termes de bénéfices, je mets à côté. C'est dans ce que je vais mettre à côté que je vais maintenant appliquer ma formule ici. Que je vais voir qu'est-ce que je peux prendre pour le loyer, qu'est-ce que je peux prendre pour mon... Même dans le bénéfice, tu dois épargner dans le bénéfice pour que demain, quand il y aura d'autres opportunités, tu es carrément posé pour ce Baksoko ou Baksata Blue Bank. Ok, c'est dans ça que je suis entendu. Voilà, bonsoir, je n'ai pas compris la règle de 20 Ezekias Moutangou depuis Mokali. Ça va comprendre règle à 20, c'était ça. Règle à 20, Nalobi, Ezali épargne. C'est-à-dire, ce qu'on a, moto, zoaka $100 par exemple à la fin du mois, Bunda na sale fort, à ta $20 chaque fin du mois, otara mopembeni. Chaque fin du mois, au tiers pembeni. Bisosko, bao, baza, bato pe saka dîme. Pas chrétien. Je peux enlever 10, il y a 10%. Voilà, moi qui suis mon repayé. Tu peux, na dîme, et longwa, et dîme et longwa, na 4 à 50, 20, 30. Dîme pour la biso balanzam. Tu enlèves ça ici. Na 4 à 20%. Oui. Parce que ici, la dîme, c'est un investissement. Ozo salamé dans le domaine spirituel, n'est-ce pas? Oui. L'épargne, tu vas te mettre de l'argent à côté. Mais la dîme, ozo, ils ont le droit de dîme, ils ont le droit de l'ona. N'est-ce pas? C'est un investissement qui demain va te rapporter. Ok. Je peux mettre la dîme ici. Je peux mettre ça, ajouter la dîme. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon. Voilà, voilà. Tu comptes, tu comptes un message. En tout cas, pour l'appel, Boulim, mais ça sort de nos appels, on ne saura pas peut-être expliquer la matière. Bonsoir de BR TVA. Moi, je vais juste savoir. Moi, j'épargne 50% de mes revenus. Est-ce que c'est mauvais que l'invité puisse d'abord expliquer? Non, c'est pas mauvais. Il y a épargné 50%. Non, c'est pas mauvais. Pourquoi ça peut être mauvais? Je disais tantôt que ce sont des principes. Mais si quelqu'un peut nettoyer bouille, alors épargner 50, si quelqu'un gagne, je prends l'exemple, $3000, il paye déjà son loyer $300-$400. 1500, c'est 50%, non? Ça veut dire que ça ne touche pas ses désirs, ça ne touche pas ses besoins. Ici, on entend de parler au cas où tu avais
moins coco se moque. Mais si tu peux épargner beaucoup plus et que ça ne dérange ni tes désirs, ni tes besoins, vas-y mon gars, c'est très bien. Salut frère Christian, la Bible dit celui qui épargne en excès ne fait que s'appauvrir. Et les entrepreneurs disent l'argent épargné c'est un argent chômé parce que ça ne tourne pas. Entre ces deux hypothèses, qu'est-ce que l'invité peut dire? Est-ce qu'il faut épargner l'argent, laisser l'argent dans des banques ou faire comment? Merci beaucoup. Après 6 mois, deux hypothèses. Oui, oui. Le bi, Bible, le bi, celui qui épargne en excès ne fait que s'appauvrir. Exactement. Et puis, entrepreneur, le bi, c'est bon, on est bon, la banque, on est au chômage. Parce que bon, il faut y tourner. Si on a un bon, on est au chômage. Bien sûr, je suis un entrepreneur aussi, Ndeko. La CPLI, parce que je voulais m'arrêter à l'épargne, parce que ce n'était pas le sujet du jour. Mais comme il a posé la question, je vais foncer. La Bible dit, dans Proverbe, on dit que celui qui épargne. Ce qui parle d'excès s'appauvrit. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle l'inflation. Inflation et Zanine. Inflation et Zanine, quand un pays évolue économiquement, à un moment, l'argent se dévalue. C'est-à-dire, bon, aussi, la gamme valeur. Tobanda qui a né, dollar et acquis, un dollar égalé à, je dirais, 200 francs. 2000 francs. 2000 francs. Ok. Donc, comme à la fin de l'année, 1 dollar est commis 2300. Donc, ça veut dire que Moto Bombaki, 10 dollars, n'a 20 000 francs. Ce que tu as commis à la fin de l'année, à Sadiq, à gagner, toi, perdre. À perdre. S'il pensait que Nakobo Mamor, à la fin du mois, à Rosamo et Bélé, à cause de l'inflation, ça fera qu'au lieu de 2000, de 10 dollars qu'il avait, peut-être il aura 9,7 dollars. Alors, voilà pourquoi la Bible dit que celui qui parle en excès s'appauvrit. Parce que les entrepreneurs, dans le bio, dans le Kualobi, l'important, c'est que tu puisses prendre maintenant l'épargne là pour l'investir, afin que cela puisse produire d'autres. Mais si tu ne sais pas épargner, voilà pourquoi j'avais dit, s'il m'a bien suivi, j'ai dit, si tu ne peux pas investir, tu gardes l'esprit que l'on épargne. Comme ça, au subir l'inflation, on a promis. Mais si tu penses que tu peux prendre ton argent, investir dans un domaine ou quelconque, qui va te rapporter plus, vas-y. Voilà pourquoi il dit, les entrepreneurs disent que l'argent qui reste dans un compte, c'est l'argent qui chôme. Effectivement. Parce que quand tu gardes l'argent, les banques vont venir prendre cet argent-là pour aller faire de grands projets. Et heureusement que c'est la banque qui n'a pas intérêt. Mais en bon, on a eu. Voilà. Voilà, je vais lire juste trois messages parce qu'on me signale que Romina Souka. On attend juste trois messages. Bonsoir de BRTV. Lingina Yeba, invité à expliquer na où est la dette. Est-ce que dette paye est une façon de freiner le projet à mon tour? Et puis, ceux qui n'ont pas de bagnongo, na foute yango na kati ya règle nini 50, 30, to 20. Ok. Par rapport aux dettes, je dirais. Je ne vais pas prendre la règle. Ne causons règle non par rapport aux dettes. Il faudra d'abord qu'on puisse souligner quelque chose de très important. Les dettes, la Bible dit que celui qui s'endette s'appauvrit. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ok, moto a défi, ça esclave à moto a déficit. Dans la vie, il y a une chose que nous devons savoir. Il y a ce qu'on appelle les bonnes dettes. Il y a ce qu'on appelle de mauvaises dettes. Le bon dette ou le mauvaise dette. Le mauvaise dette, ce sont des dettes qui te permettent au sombi, au défi mongo, la banque, pour son mamoutouka, autant que l'on va tout sur le lobby. Or, il faut son samon la banque. Ce sont des mauvaises dettes. Tu as emprunté l'argent pour son mabilamba, au matin d'un taxi pour 4 années. Ce sont des mauvaises dettes. De bonnes dettes, c'est une dette qui te permet d'avancer. Tu as pris une dette, tu as construit une maison, par exemple. Ça, c'est une bonne dette. Et c'est ce que souvent les entreprises font. Ils vont prendre l'argent à la banque, ils vont financer un projet. Banque à Essibango, à nos ongles, c'est la bisso, bon autant. Et aujourd'hui, il y a un projet na yoana. A comme nos ongles, c'est la carte à Mbongo, la banque. Mais il y a un projet ici à Poussani. Donc, j'aimerais signaler ici, on n'a plus le temps, mais fais attention, Deko. Il y a de bonnes et de mauvaises dettes. Les mauvaises dettes t'appauvrissent. Les bonnes dettes t'enrichissent.
Voilà ce que je peux dire. Voilà. Bon, on va finir avec ces derniers messages parce que moi j'étais en troisième ESAT. Bonjour de BRTVA, je voulais juste savoir maintenant comment dépenser journalièrement. Mm-hmm. Parce que vous parlez seulement de moi et puis comment je peux gérer l'argent, comment je peux dépenser l'argent journalièrement chaque jour. Okay. Comment dépenser mon journalièrement des... Bon, journalièrement, je dirais ça dépend de ce que tu fais. Okay. Ça dépend de ce que tu vis. Parce que y a les, je peux dire ici, je disais que c'est une règle pour nous orienter. Mmh. Mais par exemple, je suis à Bimarazambo chaque jour. Par exemple, mais il faut manger. Mmh. Voilà pourquoi on dit qu'il faut que tu regardes dans ce que tu gagnes. Même pour les gens qui travaillent, même pour les gens qui vendent, tu dois te dire, pensez à mon temps tel. Il faut que tu te occuper de ma colonie en Angaï. Il y a mes colonies. Ça fait partie de besoins. Mmh. Il faut bien manger, Ndeko. Il faut bien manger pour rester en forme. Il faut bien manger. Ok? Voilà. Nabanza Tokomi vraiment en souka. Il y a Moutouna. Non, question pour laquelle je comprends. Voilà, il y a encore des appels. En tout cas, moi, tout appel, les athées. Moi, tout un appel, les athées. Mais sinon, quelques secondes pour conclure le sujet. Oyo. Otali caméra nini en tout cas koko yebi sa na bay bon so bazola na biso et puis opesa bango vraiment ba conseil pratique dans quelques secondes. Bon, il y a tellement, on a dit beaucoup de choses, mais ce que je peux dire ici bande bazola na biso, c'est que chaque fois que tu entends parler ces problèmes d'argent ou on parle sur l'argent, fais un effort d'y aller et d'écouter. Prends ce qui est bien et mets à côté ce qui te dérange. Et pour être pratique, on a parlé de l'éducation financière, mais aussi de la gestion. Fais un effort d'essayer. Parce que apprendre à gérer l'argent, c'est comme une langue. Okay? Et une langue, ça demande du temps. Hein? Deux, de la pratique. Et trois, du dévouement. C'est-à-dire, c'est que nous avons dit que les langues pratiques. Et que nous avons temps. Pour le bâtir, nous avons peut-être ça sera un peu difficile pour toi. Il faut que tu te donnes du temps. Deuxièmement, il faudra le dévouement. C'est-à-dire, il faut CP là, Makambango et Simba. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup, monsieur Junior Lubaki. Je rappelle que Ozali, fondateur, il y a programme coaching polé. Topesio Maton Domingue Nandenge, où il y a une invitation. Nabanza Gazali Mokola Soukate. Tu as toujours besoin de Yopotolo Bela Soumaye Bele, parce que tu as touché à la gestion, mais ça m'a belé au Tokolo Bela. Mais tu as toujours besoin de merci beaucoup, Nabanza Gonos, au Balandi Bissot. Alors, si vous avez une émission, vous pouvez vous abonner à la page Facebook, Nabiso Pébou, ça là-bas, commenter. Bon, tout n'a pas question. Ma question est belé au Totanité. Que na page Facebook na biso débat RTVA officiel tuna motuna et puis toko tuna yango na monsieur Junior na banza toko bengi seli susu mokolo susu pour répondre na mituna nyonso mokoye bana kotuna. Merci beaucoup à Christian Kazadi kuna na régie finale. Merci beaucoup na Regan Musier tuna ba caméra. On dit aussi grand merci à l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo. Ngana bino toko tani mokolo ya mercredi à 13h pour une nouvelle thématique. Laisse que le Seigneur vous bénisse. La corruption, hein, donc c'est enraciné dans tout le domaine. Donc on voit l'éducation, on voit même au niveau de la justice, la corruption partout. On est à Balio Oto Yebi déjà que Ezala non propre. Même si moi salité comme au côté, mais Ezala non propre. Prenons les ronds-points. On est obligé à pouvoir charger Nayo